débat des données est un site internet qui vous permet à tous les citoyens, à vous tous, de donner son avis sur les usages des données de santé. Vous y trouverez aussi des articles et des vidéos qui expliquent les choses simplement. Il peut s'agir de notre poids, de notre taille, du fait que nous fumons ou non, de nos vaccinations, des médicaments que nous prenons. Il peut aussi s'agir des résultats d'une radio, d'une analyse de sang ou encore de notre date de naissance ou d'informations sur nos proches. Nos données peuvent se révéler précieuses, voire même indispensables pour la recherche ou la santé publique. Après avoir été utiles pour nous, dans nos soins, pour nos professionnels, elles peuvent être réutilisées par exemple pour améliorer un diagnostic, identifier les effets secondaires d'un médicament ou bien encore suivre une épidémie. Le débat des données est l'occasion de faire entendre votre voix à la dimension européenne. En effet, on va vous demander de répondre à des questions simples comme pour selon vous, dans quel but devraient être utilisées vos données de santé ou comment souhaiteriez-vous en être informé? Que vous ayez un avis tranché ou non, votre avis compte. Les avis et idées exprimés dans le débat des données serviront à alimenter des recommandations à dimension européenne. Elles seront utilisées par la Commission européenne pour imaginer le futur cadre et politique qui vont encadrer l'utilisation et la réutilisation de vos données de santé. Les premiers résultats sont attendus pour cet été. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site internet du débat des données et de commenter, de réagir ou de poster vous-même votre opinion. Il vous suffit pour cela de créer un compte, ce qui est très rapide et bien sûr, tout reste anonyme.